Aujourd'hui, 16 janvier, c'est l'anniversaire de Richard Boringer. J'aime bien ce type. Voilà, c'est un écorché vif, j'aime beaucoup. Révolté, qui a beaucoup vécu. Et c'est très bien comme ça. Ça tombe en même temps que le jour du décès, de la mort, de la plus belle Esmeralda pour moi. Cinématographique, Gina Lollobrigida, qui est une magnifique Esmeralda de Cinoche dans un film, je ne sais plus de qui d'ailleurs, Christian Jacques peut-être, qui s'appelait Notre-Dame de Paris évidemment. Et ben voilà, 95 ans, elle était, moi, quand j'étais enfant et adolescent, elle me faisait rêver cette Esmeralda-là, et pas seulement. Dans tous les films italiens et français où elle jouait, elle était magnifique. Voilà. Quand elle jouait la belle Sagli, dans Pain, Amour et Fantaisie, elle était sublime. Enfin, voilà. Qui c'est qui a écrit ça? Qui c'est qui a tourné ça? Un des plus grands italiens. Son nom m'échappe à l'instant, comme toujours. Voilà. Mais je regarderai après, je mettrai en commentaire. Alors, allons-y pour un hommage à notre camarade qui a écrit C'est beau, une ville la nuit, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais la campagne aussi, c'est joli, à condition qu'il y ait du clair de lune. L'écriture est la seule vérité. Être vertical. Jeter les germes de la mer, comme l'amertume. Trouver le son qui fait rebondir. L'inspiration court comme un nuage, vite et sans remords. Le désespoir d'écrire devient cristal. Écrire. Dieu païen, aide ton serviteur. Donne-moi l'oiseau bariolé, celui qui aide à souffler la page blanche. Ma révolte, mon drapeau d'amour. Je ne suis pas un gars de la syntaxe, je suis de la syncope, du bouleversement intime. Je me fous du verbe et de son complément. Faut pas faire le malin avec les mots. Faut les aimer. Ça file du bonheur, les mots. Vie, je te veux. Je t'ai toujours voulu. J'avais pas le mode d'emploi. C'est pour ça que je t'ai tant attendu, pour te dire combien je t'aime. Comme si tu avais toujours eu ta place dans mon horizon. Mais comment faire pour t'aimer, vraiment t'aimer? Il n'y a jamais de bout du monde. C'est ça l'espérance. Je suis en vertige. Je suis sur un fil. Chaque soir, c'est un spectacle alternatif. Je vais pas vous le faire comme d'habitude. Enfin, de toute façon, je le fais jamais comme d'habitude. J'ai passé ma vie sur la route, tout seul, avec la blonde, avec mes fils, avec la musique, avec mes filles, des milliers et des milliers de kilomètres, coureur de savane, enjambeur d'océan. T'as trop couru, t'as le souffle court. Les hanches, ça va toujours, même si elles servent plus à grand-chose. Elles ont le tempo pour écrire. Voilà ce que je ramène. 15 rounds. Celui qui clôt, qui ferme le rideau. Merci Richard Boringer et bon anniversaire.